On va vous présenter un peu un projet qui s'appelle Transplante, qui est à la fois un projet artistique et aussi pensé comme un processus de transition humain-plante, un devenir plante, depuis des outils que sont l'auto-expérimentation, le savoir situé, c'est-à-dire qu'on est dans depuis une perspective transféministe et queer. Toutes nos excuses pour l'équipe de traduction de ne pas avoir donné à l'avance la conférence. Elle n'est toujours pas prête, c'est-à-dire qu'on a cuisiné des ingrédients et on a préparé des ingrédients, on va les cuisiner au fur et à mesure. Donc une petite introduction rapide au processus qui a commencé il y a un an. On donnera le lieu et les dates plus tard, qui a commencé il y a un an avec une cérémonie de changement de nom et un premier tatouage de chlorophylle. Un processus qui est pensé en cycle, qui a commencé donc en novembre dernier, qui finira ce novembre à Ljubljana, dans la galerie Kapelica, avec une première intraveineuse de chlorophylle. Queríamos comenzar hoy un poco la presentación con un pequeño ritual. Nous souhaitons commencer la présentation d'aujourd'hui avec un petit rituel. Bueno, primero porque nos cuesta bastante hacer presentaciones sin hacer un poco de performance. D'abord parce que il nous est très difficile de faire des présentations sans faire un peu de performance. Y también porque es un día especial, hoy es el 12 de octubre. Et aussi parce que c'est une journée spéciale, aujourd'hui c'est le 12 octobre. Que puede ser que para muchas de vosotras no signifique nada esta fecha. Que peut-être pour beaucoup d'entre vous cela ne veut rien dire. En Latinoamérica, bueno, sobre todo en Latinoamérica, pero en casi toda América. Y en España, el 12 de octubre es el día que supuestamente se festeja el descubrimiento de América. En Amérique latine et aussi en Espagne, le 12 octobre, c'est la journée dans laquelle on est supposé fêter la découverte des Amériques. En algunos países se llama el Día de la Hispanidad, en otros el Día de la Raza. Bueno. Dans certains pays, cela s'appelle le jour de l'hispanité ou de l'hispanophonie. Et dans d'autres, cela s'appelle les jours des races. Entonces hemos hecho un pequeño vínculo entre este 12 de octubre y un 12 de octubre de hace 5 años, el 2012. Y nous avons fait un lien entre ce 12 d'octobre là et un autre 12 d'octobre il y a 5 ans. El 12 de octubre del 2012 hicimos un ritual, Kina, María y yo, que se llamaba Contra las raíces blancas morenas de bote. Ce 12 octobre d'il y a 5 ans, Maria, Kina, C, et on réalisait un rituel qui s'appelait Contra las raíces blancas, morenas de bote. Difficile de traduire. Contre les racines blanches, c'est pas bronzé. Fausse brune. Fausse brune des paquets en fait. C'est, les bottes, c'est vraiment le flacon dans lequel on achète la voilà, celui qui est dans la photo. Que bueno, en cierta manera era un guiño a una acción que ha hecho un colectivo chileno que trabaja sobre diversidad sexual, que se llama CUD. Quelque part, c'était un clin d'œil à un collectif chilien qui s'appelle CUT. Que en realidad ya se pusieron rubias para el centenario. Et donc la performance était, elles se sont teint en blanc pour le 12 octobre. Entonces nosotros hicimos este ritual porque fue previo a un viaje a Bolivia que haríamos nosotras tres. Et nous avons fait ce rituel parce que c'était juste avant qu'on parte toutes les trois en Bolivie pour un voyage. Bueno, decir que el ritual, bueno, estas tres personas eran dos europeas y una sudaca, que vengo a ser yo. Parmi les personnes qui faisaient ce rituel, il faut remarquer qu'il y avait deux européennes et une sudaca sud-américaine, donc moi. Entonces, ¿por qué evocamos esto? Bueno, primero por el 12 de octubre y luego porque este viaje a Bolivia y el proyecto que hicimos en ese momento
fue como el inicio de, en cierta manera, la colaboración de nuestro trabajo artístico con las plantas. Pourquoi je fais référence à ces voyages, c'est que pendant ces voyages, nous avons commencé, où il s'est passé ce que j'appelle aujourd'hui notre première collaboration artistique avec les plantes. Ay, me está haciendo lo mismo. Un poco el encuentro con una con un árbol especial, que es el árbol de quina. Ce voyage, c'était la rencontre avec un arbre spécial, c'est l'arbre de quinine. Bueno, no podemos contar todo el proyecto, pero bueno, básicamente lo que se vincula quizás con el trabajo que estamos haciendo en ese momento fue sobre todo un vínculo con la historia de colonización de esta planta. Bon, on ne va pas vous raconter tout ce qui a été fait pour ces projets, mais peut-être la chose la plus importante, c'est le lien que nous avons fait avec l'histoire des colonisations qu'a subi cette plante. Ahora me has distraído, Kina. Bueno, fue esto, el primer encuentro, y también fue el momento en el que conectamos como lo que se podría llamar como el laboratorio cocina. Fue nuestros primeros experimentos, muy tres. Dans ces voyages, nous avons aussi commencé à faire nos expérimentations de cuisine. Voici quelques photos des premières expériences. Mm-hmm. Comme vous voyez, c'était un moment bon marché, aussi bien à niveau des outils que des connaissances. Uh-huh. Y, bueno, hacemos un pequeño resumen de la quina, ¿o no? Sí, tú puedes seguir haciendo. On va faire un très petit résumé de l'histoire de la quina. C'est un texte qui existe. On a le texte en anglais, en espagnol et en français. Malheureusement, il n'y a pas possibilité de faire des impressions, mais si vous voulez qu'on vous l'envoie, vous nous laissez votre email. Mais en gros, l'histoire, en très résumé, la Bolivie, dans la partie des Andes, était un des plus gros producteurs de quina qui était utilisé par les sorciers, guérisseurs, guérisseuses, etc., contre les fièvres et aussi comme abortif. Quand arrivent les colons avec la malaria, ils se rendent compte que ça peut être pas mal utile pour eux. Donc il s'ensuit une déforestation très rapide de tous les arbres de quina de la zone. Et ensuite une délocalisation de ces arbres vers d'autres contrées de par les colons hollandais. À partir de là va naître l'industrie pharmaceutique avec la commercialisation de l'antipaludique. Les Hollandais vont amener ça à Java, où va croître la quina. Avec la Seconde Guerre mondiale, Java passe devient japonais et donc il y a une délocalisation qui se fait en Afrique. Actuellement, la majeure partie des gens qui meurent du paludisme sont des habitants d'Afrique qui n'ont pas à disposition les antipaludiques, qui sont patentés par des firmes pharmaceutiques internationales. Enfin, très résumé. Un petit symbole, le gin tonic. Une des boissons les plus connues pour les fêtes nocturnes a été inventée par les Anglais pour arriver jusqu'aux Indes, où ils mettaient de l'alcool dans l'eau pour pas qu'elle pourrisse, et de la quina contre le paludisme. Donc l'Indian tonic, le Schweppes, est une boisson à la base qui a des origines coloniales. Voilà. Est-ce qu'on a un peu d'eau ? Donc si vous voulez plus en savoir sur cette histoire de la quina, vous nous laissez votre mail et on vous envoie ça. Vamos con retraso práctico. Voilà. Ahí vamos. Estoy limpia ya. Y bueno, anoche mientras preparábamos la charla, bueno, aparte nos poníamos un poco con esta parte más como performativa. Hier soir, tandis que nous préparons cette conversation et aussi cette partie plus performative. Pasó algo curioso porque hasta ahora solo Kina tenía un tatuaje de clorofila y yo no tenía hecho en mi cuerpo.
il est arrivé quelque chose de particulier. Pour l'instant, il y avait Kekina qui avait un tatouage de chlorophylle. Moi, je n'avais pas de tatouage de chlorophylle dans mon corps. Entonces, bueno, quería probar cómo funcionaban las agujas y directamente probé en mi cuerpo, ¿no? Que je voulais tester les fonctionnements des aiguilles et je fais un essai directement sur mon corps. Entonces ya el de hoy iba a ser el segundo tatuaje de clorofila en mi cuerpo, no iba a ser el primero. Alors, du coup, celui d'aujourd'hui allait être le deuxième et pas le premier tatuaje de clorofila sur mon corps. Entonces estuvimos conversando sobre algo que aparece repetitivamente sobre este proyecto. Cuando hablamos con gente o cuando hablamos con personas, cuando hablamos con personas que trabajan con plantas, de qué pasa con esta fusión entre lo humano y lo vegetal, ¿no? Donc on s'est mis à discuter sur quelque chose qui arrive souvent dans nos conversations à propos de ces projets avec des amis, avec les gens, et c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a mélange. Sí, fusión, hibridación, sí. Hibridación entre el humano y la planta. Y entonces pensaba un poco en algo que ha hablado Francis ayer, de esta idea de, bueno, que también lo habló Natalia, del individuo, ¿no? Esta cosa que parece que el humano como individuo hay una barrera en la que no se puede traspasar, ¿no? Donc nous avons parlé de cette idée d'individu dont Francis et Natacha ont parlé, cet individu qui ne peut pas être séparé. Bueno, y eso, porque en realidad, es que me cuesta hacer y pensar. C'est un peu difficile pour moi penser et commencer punto. À faire un tatouage. Donc, je vais faire le premier point. Y algo que aparecía en la conversación era el peligro de esta cosa, algo externo que entra en tu cuerpo. Y entonces, ¿cómo trabajar desde lo humano? O sea, que para mí en parte ese es el trabajo sobre la hibridación. No es hacerme verde o devenir planta, sino cómo puedo... Es que no me acuerdo nada de lo que has dicho. Ah, ya. He hablado muy largo, ¿no? La question étant plutôt que qu'est-ce que je dois faire au lieu de qu'est-ce que je dois faire pour devenir plante, mais plutôt partir d'être humain, de l'être humain. Que no es tanto ir hacia c'est pas la autant planta, d'aller vers la plante, mais comment humano, on peut générer plus de ruptures vers l'humain. Ya no puedo hablar más, necesito concentrarme un momento, que puedes conversar. J'ai besoin de me concentrer. Je pense que dans le fait de choisir un peu des symboles très forts comme le sang et le système immunitaire, dans ce projet, on essaie de déstabiliser un peu l'identité humaine. C'est aussi depuis une situation de vulnérabilité, je pense, qui est très importante pour pouvoir justement avoir une vision moins anthropocentrique, être dans ce mode un peu sensorium, de capteur dont parlait Natacha, de jouer avec la sensibilité, mais pas que la sensibilité des sens, mais aussi l'imagination, les projections, de tout ce que ça provoque, pas seulement en nous, mais ce que ça provoque aussi dans le corps social. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les processus trans. Un processus trans de transition n'est pas que un processus de transition d'une personne, mais du corps social en général. Parce que par exemple, quand on remet en cause le binôme du genre, c'est pas que pour soi, ça remet en cause le binôme du genre de tout le monde. Il y a un travail sur la société. Donc je pense que ce travail un peu de capteur et de senseur, à travers l'auto-expérimentation corporelle, qui est aussi un mauvais terme, je préfère celui de somatèque, comme dit Paul B. Preciado, c'est-à-dire c'est pas que les limites de la peau, et un outil intéressant pour une fusion du sensorium avec... avec le végétal. Y entonces el vínculo también con la quina, bueno, es como un ida y vuelta, ¿no?
Les liens avec la Kina, c'est quand même une histoire d'aller-retour. Qu'est-ce le nom qu'a adopté? Car celui-là est le nom que Kina a adopté. C'est le nouveau nom que j'ai adopté donc en novembre dernier. Et bueno, nous nous transportons en novembre 2016. Mm. Et on s'est télétransporté en novembre 2016, au moment du changement de nom. Entonces vamos a pedir a Niara si puede leer un texto. Nous allons demander à Niara si elle peut lire un texte. Il y a quelque chose de fascinant quand j'approche le téléphone avec l'app NFC Tools ouverte et qui apparaît les messages NFC Tag Detect. La machine me rassure sur la réalité de mon processus de transition avant que les humains ne soient en capacité de le faire. Pour elle, mon genre est ISO 14443-3A et mes technologies disponibles sont NFCA, MyFair, Ultralight et NDEF. Mon numéro de série est 04FA10-12FF3884. Je ne suis pas, pour l'instant, protégée par mot de passe. Ma petite mémoire est de 868 bytes. Les transferts d'écriture, lecture et d'alimentation se font à la fréquence de 15,36 MHz et une distance moyenne de 5 cm. NFC, Near Field Communication, communication en champ proche, est l'acronyme de cette technologie sans fil permettant à des machines de se reconnaître par fréquence radio. C'est une technologie destinée à l'identification RFID, Radio Frequency ID, et qui équipe actuellement les derniers modèles de smartphones, cartes bancaires et titres de transport. Bref, une technologie qui s'occupe juste de savoir que vous êtes bien vous, et dans le même mouvement à vous confronter dans l'idée que c'est effectivement le cas. Chaque puce électronique basée sur cette technologie possède un numéro d'identification unique, ni effaçable, ni changeable, du moins en théorie. En avoir implanté une version libre, non détectable et de plus grande capacité, permet d'envisager pour cette technologie d'usage non prévu, non normé. Transformer une technologie d'identification en une technologie post-identitaire, utilisée pour hacker ce qu'on appelle être humain. Mais pourquoi commencer un processus de transition humain-plante par l'implantation d'une puce RFID de la taille d'un grand riz basmati? Un chip de 2 par 12 mm, encapsulé en verre biocompatible, situé entre la peau et les muscles du triangle formé par les os métacarpiens de l'index et du pouce de la main gauche. Un endroit choisi pour sa facilité d'accès et dextérité, ainsi que par le faible risque d'endommager nerf radio et médian, principaux vaisseaux sanguins, tendons ou l'organe synovial. Un endroit également plein de tissus mous aidant à absorber les impacts qui se trouvent à une distance raisonnable des os contre lesquels pourraient choquer les chips et s'ébriser la capsule en verre. Dans les mois et demi suivant l'implantation, les chips a migré un peu plus d'un demi-centimètre vers la pointe du triangle formé par les deux os. Mais il reste à une bonne distance des points critiques et il ne devrait plus bouger car désormais enveloppé du collagène que l'organisme génère pour l'isoler à défaut de pouvoir les rejeter. Collagène dont j'ai en théorie accéléré la formation en prenant des comprimés prénatales pendant le premier mois, prête pour accoucher d'un petit monstre vert. Mon processus de transition vise socialement à faire reconnaître la perte de ma condition humaine et l'adoption d'un nouveau prénom. Les probabilités de que ces changements soient acceptés par l'état civil semblent se rapprocher des formes exponentielles du néant. Et je ne suis pas sûre de vouloir servir des cobayes à des psychiatres de sirop de vérifier si je ne me sens comme une plante emprisonnée dans un corps d'humain pour qu'ils inventent un trouble de dysphorie des règnes. Ou bien si ma volonté photosynthétique n'est pas une manifestation extrême d'une anorexie refoulée, ou encore si mon admiration pour le silence végétal n'est la preuve d'une tendance
complotiste et asocial. Et très reconnu par des dispositifs NFC, est alors le premier pas pour être reconnu dans mon processus de transition par des humains. Une nouvelle carte d'identité est implantée dans ma chair et j'en contrôle les données. Mais c'est surtout qu'il semble que pour devenir plante, il faille descendre l'échelon, échelon par échelon, la pyramide biologique, les grands cirques de la hiérarchie des différentes formes de vie. En août, nous habitons chez Hélène, à la Floresta. Et quand nous sommes revenus de Barcelone, après l'implantation du chip, la sensation de que le processus transplant venait de commencer était intense. En franchissant les seuils de la porte, je souris en pensant que j'étais la deuxième chipée de la maison, après Pépé, qui l'avait été par les vétérinaires quelques années auparavant. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes à Bourges, chez Eric et Mamita, et là également Kaboul et Egon m'ont avancé dans ce devenir cyborg. Les premières pousses RFID ont été testées sur une souris il y a une vingtaine d'années. Puis leur usage s'est généralisé pour identifier bétail et espèces compagnes et leurs propriétaires humains. Les premières cyborgs étaient une souris et fut développée dans un laboratoire dans les années 60 dans le cadre de la course à l'espace. Le devenir cyborg est avant tout un devenir animal. Non déplaise aux transhumanistes et à leur rêve d'amélioration de l'espèce humaine par sa fusion avec la technologie. Je suis un chien, ou plutôt une chienne. Bref, ne pas confondre le manifeste cyborg de Haraway avec le manifeste Terminator de Hollywood. Ma volonté n'est pas de devenir plus humain, mais moins humain. Ce n'est même pas réellement un désir de devenir plante, mais celui d'une hybridation avec le végétal, de devenir avec, de transiter ensemble. Making kin, no babies. Donc je viens juste d'actualiser un peu l'information qui sert aussi un peu à part de carte d'identité, de petite mémoire du processus dans le chip avec le petit problème technique qu'on a connecté l'écran. Et j'ai un petit résumé là. Le téléphone est équipé d'un lecteur comme lecteur. Un lecteur qui peut lire le chip qui tiene implantado en su mano. Le téléphone est en train de lire l'information et il envoie à son tour à l'ordinateur et c'est ce qu'on voit sur l'écran. Le téléphone est en train de dire je sais que tu es là. Que un poco marca los pasos y los puntos. Bueno, para nosotras que han sido importantes en el proceso de trasplante. Es como una especie de archivo de todo el proceso. Oui, c'est dans la pouce, il y a écrit tous les moments clés du processus. Donc, c'est comme une espèce d'archive. El problema es que es muy pequeño. Le problème, c'est que c'est trop petit. 880 bytes. Il n'y a que 880 caractères. Bytes, c'est-à-dire 880 caractères. Si va ser un poco complicado. C'est-à-dire que c'est le projet. Grandit beaucoup, ça va poser problème. C'est surtout un jeu d'utiliser une technique d'identification pour un processus post-identitaire et de devenir animal. On en revient il y a un an, presque, en novembre à Bourges, dans le cadre d'une installation et d'une performance au Transpalette, le centre d'art contemporain donc, géré par l'association Emetrop. Dans le cadre d'un événement symbiotique d'une exposition donc, du Transpalette qui s'appelait Entropia, avec art orienté objet dont parlait hier Jens et Smith, et les rencontres bandes d'images. Donc ce processus avait commencé un peu sous forme d'une résidence chez Aniara et Jens en février 2016, d'une formalisation un peu du projet. Et... la première donc, activité publique a été cet événement à Bourges, qui était pensé comme une cérémonie collective, de changement de nom et d'un premier tatouage de chlorophylle. Donc les images qu'on voyait au début, qui est devenu un fantôme depuis, il y a une petite trace. Bueno, esto fue también en parte el primer encuentro con las bacterias, ¿no? Y los hongos, con el trabajo de... C'était aussi notre première rencontre avec des fungi et des bactéries
Nous avons travaillé avec la kombucha. Para crear piel. Bueno, hemos hecho un libro de piel, tatuado en clorofila. Pour créer de la peau, et nous avons fait un livre de peau tatoué en chlorophylle. Y bueno, si pueden ver un momento las imágenes. Puedo ir introduciendo sino el resto. Donc en marge, pas en marge, mais à part ce processus, donc Transplant a dérivé aussi sur plusieurs axes qui n'étaient pas forcément prévus au départ. C'est-à-dire que quand on cherche, en général, on trouve autre chose que ce qu'on cherche. Et on a par exemple développé un projet qui s'appelle Transplant, ma maladie est une création artistique. Qui se développe à Barcelone depuis le mois de mars et qui va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Dans le cadre d'une résidence, d'un collaboratoire qui est formé par le centre de production d'art visuel Hangar, le parc de recherche biomédicale de Barcelone, le collectif Transrac féministe Pes Blenda et le laboratoire BioRaquel Do It Yourself Barcelona. Bueno, un poco la idea, bueno, el proyecto presentado, bueno, derivó de las investigaciones hechas para llegar a las transfusiones de clorofila en sangre. Entonces, investigando sobre esto, nos encontramos con un tratamiento que se utiliza en cánceres localizados y enfermedades para piel. Dans notre recherche sur les transfusions des chlorophylles dans les sangs humains, nous avons tombé sur un procédé qui est utilisé pour avec de la lumière. Sí, bueno, se llama terapia fotodinámica. Es una terapia, se aplica un fotosensibilizador. C'est une thérapie qui s'appelle thérapie photodynamique. Et c'est une on utilise de la lumière sur les cellules. O sea, poéticamente vendría a ser como que el cuerpo hace una especie de fotosíntesis. De façon poétique, on pourrait dire que le corps fait une espèce de photosynthèse. Se aplica un fotosensibilizador en las células. On applique un fotosensibilisateur sur les cellules. Este fotosensibilizador se queda fijado más en las células malignas del cuerpo que en las benignas. Et celui-là se fixe mieux sur les cellules malignes que dans les cellules Entonces se espera un momento determinado, depende de cómo se haya aplicado el fotosensibilizador. Entonces las células buenas sueltan este fotosensibilizador. Et on attend un temps après avoir appliqué ce photosensibilisateur et les cellules qui vont bien se détachent et dégagent eux-mêmes un photosensibilizateur. Entonces se queda fijado en las células malignas más tiempo y en ese tiempo se le aplica una luz con una determinada intensidad. La photosensibilité reste plus longtemps dans les cellules malignes. Sí, y se le aplica una luz con una intensidad determinada. On pointe une lumière avec une intensité déterminée. Que hace que este fotosensibilizador libere oxígeno activo, reactivo. Qui permet que cette photo... Sí, no, es que aparte lo voy a explicar en francés con las imágenes. Ok, lo explicas tú en francés. Ya, perdona, así va a ser más fácil. Entonces, básicamente, lo que se trataba era de replicar este tratamiento de manera low cost. De repliquer ce traitement de façon pas chère. Y de hacer abierta toda la información, ¿no? Generar ciertos replicamientos de protocolos, de moléculas y hacerlo público, ¿no? Et ensuite ouvrir ces traitements, l'expliquer, le rendre accessible et public. Y un poco, bueno, aquí aparecen las fotos de ACTAP, que un poco el vínculo que hacíamos con este proyecto que tenía que ver con esto de Open the Pill, ¿no? O abrir la caja negra, ¿no? Entonces son tratamientos que se están utilizando, pero que no están accesibles. Donc, ils ont cité les groupes et les projets de quels ils sont inspirés pour ces projets de traitements open source. Vamos a mostrar un vídeo de un minuto de esta parte de esto. Okay.
Nous allons montrer une vidéo d'une minute de ce que nous avons, de cette partie du projet. Donc là, nous sommes avec une première biopsie do-it-yourself faite sur une verrue anogénitale qui s'appelle condylome, donc provoquée par le virus du papillome humain. Que bueno, esto para mí es interesante. Solo una cosa más y luego te dejo. porque bueno, estamos, bueno, que ha hablado Jens, ¿no?, de proyectos de arte. Bueno, esta idea del bioarte, ¿no?, que para mí lo que me parece interesante es que este cruce entre arte y ciencia permite hacer ciertos experimentos. Por ejemplo, esta biopsia... Jens l'a déjà évoqué. cette croisement entre science et art permet, par exemple. Bueno, más que nada quería plantear, por ejemplo, el hecho de poder realizar una biopsia. La biopsia la pudimos realizar solamente en el espacio artístico que había dentro de este colaboratorio, no en el espacio científico. C'est par rapport au protocole. Nous avons dû faire la biopsie dans un espace artistique et on pouvait pas faire cela dans un espace dans l'espace du laboratoire ou dans un espace médical. Entonces me parece muy muy interesante esta posibilidad que da el bioarte de poder moverse en un espacio y otro. Donc je trouverais très intéressante la possibilité qui donne les bioarts de pouvoir évoluer dans un espace et dans l'autre. Pour expliquer vite fait la photothérapie dynamique, donc on a trois éléments. La lumière, c'est encore assez facile à trouver. Plus une substance photosensible. Cette substance photosensible à recevoir de la lumière libère de l'oxygène réactif qui a la capacité de tuer les cellules ou d'induire l'apoptosis, c'est-à-dire une sorte de suicide induit. Donc on a lu pas mal de papers avant de choisir un peu le protocole, c'est-à-dire qu'il faut choisir une source de lumière, il faut choisir un type de molécule et trouver le temps d'exposition en gros. Donc après avoir étudié plusieurs, on en a choisi un qui est celui-là. On ne va pas dans les détails, on a 5 minutes. Donc la molécule, dans ce cas-là, c'est le nom qui est un peu dur à prononcer, donc je vous laisse le lire. Vous avez la présentation là. Donc, surtout, ce qui nous a plu dans cette molécule, à part le côté fonctionnel, c'est la partie très poétique de que c'est un composé chimique et commun à l'ensemble de tous les règnes du vivant. Et qui chez les mammifères est responsable de la production de l'hème, qui est dans la chaîne de production, et chez les plantes de la chlorophylle. Là, vous avez un peu par exemple les domaines d'application donc, de traitement. Donc, si vous voyez le deuxième paragraphe, vous verrez que c'est assez intéressant pour une technique qui est assez facile à répliquer. C'est-à-dire qu'elle est assez récente, mais contrairement à d'autres techniques, il n'y a pas d'inflation technologique, c'est-à-dire que c'est assez simple, on a une source de lumière, une molécule. Donc molécule, ça c'est un produit qui est en vente, donc c'est le brevet officiel qu'il y a en Europe sur cette molécule pour le traitement de photothérapie dynamique, qui s'appelle Amelus. Dans ce cas-là, c'est par usage topique, c'est-à-dire sur la peau, par exemple pour des... parce que ça fonctionne aussi par intraveineuse si on veut traiter des cancers localisés internes. Le prix de la molécule par ce médicament revient environ à 3000 euros le gramme. Si on achète la molécule sur internet pure, ça coûte à peu près 80 euros le gramme. Donc, premier pas, c'est évidemment
d'acheter la molécule sur Internet pour pouvoir répliquer ça de manière low cost pour que ça puisse s'utiliser à des endroits où l'infrastructure ne soit pas très grande. Quand on regarde un peu le médicament, on voit que la substance active réelle intéressante, c'est ALA, c'est cet acide. On a une liste d'excipients dont il n'y a pas les proportions. Il manque toujours quelque chose dans les notices de médicaments, mais qui ne sont pas du tout indispensables pour le traitement. Alors, ça va passer. Ensuite vient l'élection d'une source lumineuse. Dans ce cas-là, pour l'instant, avec cette molécule, tout semble, les tests montrent que le plus efficace, c'est une lumière, c'est surtout pas la verte, vous vous en doutez. C'est entre soit une lumière rouge, soit une lumière bleue. La lumière bleue ayant l'avantage d'avoir une meilleure absorption par cette molécule. Et l'avantage de la lumière rouge ou presque rouge, c'est-à-dire le rouge lointain, presque infrarouge, ayant une majeure pénétration dans la peau, dans le derme. Pour l'instant, la majeure partie des thérapies utilisent le bleu, mais il existe aussi des combinaisons qui alternent le bleu et le rouge. On ne va pas rentrer trop dans les techniques. Le système d'illumination que vous voyez, très high-tech, qu'on utilise, c'est celui-là. Donc ça revient à peu près à 1 euro. Sachant que le coût dans une clinique privée vaut entre 3 000 et 6 000 euros pour une seule application. Dans le paper, il mettait qu'ils travaillent avec des cellules cancéreuses qui s'achètent sur Internet. Donc si vous voulez acheter des cellules cancéreuses sur Internet, vous verrez. C'est assez intéressant les spécificités des personnes porteuses. On ne voit pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Et ensuite, ces cellules sont implantées dans des souris pour que ces souris développent le cancer et faire des tests sur les souris. Donc, si vous voulez la souris, vous allez sur cette page-là. Donc, nous, on est dans un processus d'auto-expérimentation, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de devenir encore atone. Donc dans ce devenir plante, il y a aussi un devenir encore raton. Raton en espagnol, pardon, encore souris, on commence. On commence pour l'histoire, c'est le premier animal qui a été breveté. C'est-à-dire qu'il avait un brevet. Donc à chaque fois qu'on achetait un encore mouse, il y avait un propriétaire qui avait les dividendes. Donc on est face à une brevabilité du vivant. Et c'est un peu le quotidien des laboratoires de biologie. Hein. Voilà. Et on va arrêter là avec la photothérapie dynamique, avec les 5 minutes qu'on avait. Oui, des questions. Comment, dans ce processus de devenir plante ou de transplante, comment est-ce que tu l'as senti en toi-même? Comment ça a été pour tes humeurs, tes réflexions? Comment ça a été l'expérience subjective, disons, pour toi dans ta propre vie de ce processus? Alors, c'est un processus donc, qui a commencé à peu près il y a un an et qui va prendre une nouvelle tournure donc avec l'intraveineuse. Et pour l'instant, ce changement de subjectivité se fait plus dans l'interaction avec toutes les personnes avec qui je me croise et de tout ce qu'on me renvoie. Ce sont de réactions de fascination, de peur, de considérer ça comme une folie, soit au niveau physique, soit au niveau psychique. Donc c'est plutôt le travail d'intégration de toutes les réactions que ça provoque dans mon entourage proche, non proche, des gens que je croise, des questions qu'on me pose. Qu'au niveau de mécanismes que je pense qui pourraient être plus
physiologique qui pourrait se faire plus quand il y a une interaction directe avec le sang, une répétition et peut-être un changement au niveau hormonal. J'en sais rien. Je trouve intéressant en fait ce qui s'est passé entre la présentation de Marder et la vôtre, où Marder finalement disait qu'on est toujours déjà plante, alors que vous disiez plutôt nous ne sommes pas plantes et nous voulons le devenir par notamment l'injection de chlorophylle. Et je trouve que cet écart-là me semble assez important dans cette rencontre-là en fait. C'est-à-dire où c'est, on voit bien que c'est des modalités, des méthodologies qui sont vraiment parallèles. Et je pense qu'il y a un point de jonction qui sera discuté. Ouais. Moi, je pense que je suis assez intéressé par le in-between, par la chimère, par le monstrueux. Je crois pas aux deux pôles exactement. Je pense que c'est tout, je pense plus aux interrelations, au devenir avec. Donc là, je pense qu'on est d'accord avec Mitchell. Ça dépend, c'est des points de départ et des formulations, mais je pense que c'est surtout le devenir avec qui est important. J'aurais bien aimé savoir quel est le cheminement que vous avez emprunté, quel est le parcours qui vous a mené jusque-là, enfin, dans ces expérimentations. C'est plus que des expérimentations, parce que du coup, maintenant, ça devient quelque chose de parfaitement intrinsèque, quoi, je dirais. Voilà. C'est plus de l'expérimentation. Mais à un moment, par exemple, l'implant d'une puce, je comprends pas le lien véritablement. Donc, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que vous me racontiez un peu comment vous êtes venu à vous mettre sur ce chemin, quoi. Voilà. Que creo que tiene. Bueno, hoy no hemos explicado todo nuestro trabajo anterior, ¿no? Nos hemos focalizado solo en trasplant. Aujourd'hui, nous n'avons pas expliqué tous nos travaux précédents. On s'est focalisé sur transplant. Que yo en cierta manera entiendo el trabajo de la quimera, del colectivo, como un trabajo sobre el cuerpo y la performatividad de mi cuerpo. J'entends le travail de la quimera como un travail sur le corps et avec le corps. Y hemos ido utilizando diferentes herramientas. Et nous avons utilisé des différents outils pour cela. Siempre un poco la performance como bueno como base. En ayant toujours la performance et l'auto-expérimentation à la base. Y venimos también de todo un trabajo con el género, con la sexualidad, con la identidad. Et nous avons beaucoup travaillé sur les genres et la sexualité. Entonces creo que esto también puede explicar un poco más el acercamiento quizás que tenemos a esta idea de devenir planta, ¿no? Que tiene que ver más con una transformación del humano. Puede explicar nuestro approche a devenir planta, que tiene que ver más con una transformación del humano. Y no tanto un acercamiento a la planta, sino de cómo la planta puede modificar mi humanidad, ¿no? Plus que s'approcher a la planta, il s'agit de cómo la planta puede transformar mi humanidad. Merci beaucoup. Thank you so much. This is amazing work and the reaching towards plants in these ways. I'm reminded of so many ways, and partly because of the work you're doing around questions of illness and disease and its relation to plants, and the ways that we take plants in, sort of topically, but also the fissures through the skin and the healing kind of relation of plants in these contexts of, and so there's thinking with that history of plants as healers for us, and I'm curious about the layers of the ways that you think about healing. So often we think about sort of the biomedical institution as being not a place of healing, and yet you move through kind of the laboratory and the context of biomedicine, and there's something really interesting happening there, a kind of appropriation of that. But I wanted to maybe ask you to speak more about plants and healing and ways of disrupting kind of biomedical form. La relation avec l'institution biomédicale est complexe.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas négative, elle est complexe. Elle est, d'une manière générale, avec l'institution. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles, il y a des normes. Et une vision qui est quand même assez réductrice en général, qui ne prend pas en compte le sensorium. Donc c'est tout un travail de traduction, de négociation sur ce qui est possible et pas possible. Dans l'expérience concrète qu'on a eue à Barcelone, il y a eu un échange qui a été fructifère. On a cherché un langage commun, ou des traductions. Et on a pu avoir accès donc à d'un côté des techniques, des moyens. Et d'un autre côté, on a exporté ces moyens à d'autres endroits où on pouvait mettre en pratique, suivant plus nos protocoles, ces connaissances. Après, ça touche aussi donc à toute la question de la privatisation du vivant. De cette colonisation. Où il a fallu trouver des moyens détournés pour avoir accès aux molécules, pour avoir accès au matériel, hors d'un cadre professionnel biomédical. Et pour avoir surtout une relation personnelle avec les molécules, avec les plantes. Une relation plus intime, plus horizontale, plus... Dans le cadre biomédical classique, là, en général, la relation est quand même très verticale. Entre soignant et soigné, entre soignant et substance, entre soignant et plante. Merci.